Bonjour, bienvenue dans l'œil de l'Obs. Pour ce nouveau numéro, c'est une immersion inédite que nous vous proposons de suivre. Depuis plusieurs semaines, les artisans du Palais Princier s'activent en coulisses pour donner vie à l'âme de Noël. Les équipes techniques se sont attelées aux préparatifs dans la maison souveraine. Nous vous souhaitons une belle découverte. Bonjour Eric Bandoli. Bonjour Anne-Sophie. Donc vous êtes l'intendant du palais, c'est vous qui allez gérer l'organisation de ce Noël. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer le thème que vous avez retenu cette année ? Oui, d'habitude la décoration se fait dans la cour d'honneur uniquement au niveau des escaliers de la cour d'honneur. Et là, par rapport au contexte sanitaire, nous avons dû étendre notre décor dans toute la cour d'honneur. En collaboration avec le prince et la princesse, nous avons établi un décor un peu plus important que d'habitude pour recréer un mini village de Noël. Alors Frédéric, quel est le rôle des menuisiers dans ce Noël ? Principalement tous ces sujets qui sont sur du papier avec un support en contreplaqué qui vont servir après à la décoration de Noël. Combien de temps ça prend de faire tout ça ? Alors c'est assez long quand même parce que le collage au départ, après il y a toute la découpe, c'est quand même assez précis. Vous voyez, en plus sur des petits sujets comme ça, il y a pas mal de découpe à faire. Et là aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est dessus là. Ce que vous faites vous comme travail, c'est ce qui va donner toute l'atmosphère, toute l'ambiance à ce Noël en fait. Absolument, bien sûr, oui. Bien sûr, on fait ça pour les enfants, pour eux quoi en fait. Nous sommes en train de fabriquer les supports des pieds de sapin. Où cette année, on va créer une forêt artificielle dans la cour d'honneur. Et avec mon collègue Frédéric, on reçoit les barres, on découpe, on assemble. Et après, ensuite, on fera le montage sur place de toute la déco de Noël. Noël, ça se prépare, c'est des dessins, on nous propose. On regarde si c'est possible à fabriquer en fonction de la serrurerie, les modules. Chaque année, ça fait ma 15e pour moi et chaque année, les sujets sont différents, on a créé des arbres, on a créé des motifs. En fonction de ce qu'on nous propose, des désirs, on exécute. Voilà, c'est parti de notre travail. Qu'est-ce que vous faites en particulier pour Noël ? Mais en particulier pour Noël, on fait des panneaux décoratifs qui rappellent Noël, soit avec le Père Noël, soit avec des autres personnages qui sont en cours, quoi. Et ensuite, il y a les crèches, il y a des petits raccords sur des santons à faire. Donc on fait ces choses-là. Mais on est en train de restaurer une statue de la Vierge. Vous me voyez en train de donner des couches de peinture pour mettre le fond dans les mains, dans les habits et tout. On va intégrer la crèche aussi qui va être mise en valeur, quoi, partout. Et quel plaisir vous y trouvez, vous, à travailler à ce moment-là ? Un plaisir qui est de continuer mon métier et en plus de continuer à travailler au palais, qui est une chose admirable quoi pour moi. N'importe quelle chose que je suis appelé à faire me donne du plaisir. Parce que c'est un peu un aboutissement du métier qui arrive qu'on puisse faire des choses qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire. L'ambiance que nous avons choisie cette année pour le palais, c'est une ambiance traditionnelle, un Noël d'antan, un Noël qui fait rêver tout le monde. Donc nous avons choisi des coloris chauds, avec différentes textures et matières. Pour nous, cette année, ce sera l'or et le rouge. Et en quoi c'est une période un peu spéciale, ce Noël ? C'est effectivement une période très particulière pour les fleuristes, puisque c'est beaucoup de préparation, il y a les temps d'installation,
il y a les démontages aussi de décors. Et puis pour nous, effectivement, tout particulièrement, c'est effectivement une grosse période puisqu'il y a tout l'ensemble du palais princier à décorer. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près sur 2 semaines et demie d'installation pour la décoration de Noël. Éric Bandoli, vous avez conçu ce décor et maintenant il est réel. Est-ce que c'est une satisfaction ? Oui, c'est une satisfaction parce qu'au début on avait fait sur papier et maintenant la réalisation est intéressante parce que c'est ce qu'on a voulu retranscrire de notre papier à la réalité. Chaque année, le défi c'est de se réinventer. Est-ce que c'est une période particulière qui vous plaît ? Oui, pour moi c'est très intéressant parce que chaque année il faut qu'on change les décors et surtout cette année donc avec la crise sanitaire et les distances de sécurité sanitaire, on fait une décoration au milieu de l'escalier de la cour d'honneur et là on a dû s'étendre sur toute la cour d'honneur. Est-ce que dans ce décor il y a une pièce qui vous plaît particulièrement et dont vous aimeriez nous parler ? Ben, c'est chaque décor a son caractère. Donc l'îlot central qui est le plus gros, on a les zones pour, on va dire, plus qui est enfantin avec le traîneau du Père Noël et les rennes, plus la crèche qui est plus institutionnelle, donc chaque décor a ses particularités. C'est un travail d'équipe tout ça, il y a beaucoup de monde qui a œuvré pour que ce décor prenne vie. Oui bien sûr, c'est un travail de toute une équipe, donc il y a tous les corps de métier que vous avez pu voir dans les ateliers en préparation et après sur la réalisation, donc c'est un travail d'équipe où on a été pratiquement autonome le palais. Merci beaucoup Éric Bandoli de nous avoir fait partager cet univers un petit peu magique. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de l'Œil de l'Obs vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.